à tous. On se retrouve sur FIF Simulator. Une simulation de cambriolage, de larcin, de voyou quoi. Allez, c'est parti, quoi de mieux que démarrer le jeu, voir le gameplay. Donc je vous dis, donc là on a avancé un petit peu, on est passé niveau 6, donc on a gagné l'agilité de niveau 2. Donc on va voir ce que ça donne, ça permet de monter sur les palissades. Mais avant de monter sur quoi que ce soit, pensez au clic droit en bas, subscribe, toujours l'abonnement, abonnez-vous. Le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Allez, c'est parti, on avance, on continue. Hey, you know what else ain't broke? Is Greenview 104's windshield. Tu sais ce qui n'a pas cassé le pare-brise? Casser la vitre de la voiture. Bon, ben ça devrait être à notre portée. Hein. Allez. C'est parti. Donc on doit aller péter une bagnole au niveau 104. Donc là, on y va. Allez, on repart dans la ville. Donc Thief Simulator, une simulation sympathique, franchement. Mais alors ça stresse parce qu'en fait, moi je suis pas habitué à cambrioler des maisons. Donc effectivement, on a toujours peur de se faire choper. Allez, on est parti pour le 104. Alors par contre, on n'a pas du tout suivi l'heure ou quoi que ce soit, puisqu'en plus c'est une simulation qui prend en compte les emplois du temps des personnes. On va peut-être la marquer quand même. Quoi que non, s'il faut casser une voiture, donc ça doit être dans la rue. Ah, ça doit être ici peut-être. Hein. Attendez, on va se garer plus ou moins bien. Alors, le 104. Est-ce qu'il est là, le 104? Ça a l'air d'être ça. Hein. Alors, par contre, j'ai bien peur que ce soit une voiture qui soit où, alors? Non, c'est le 106, ça. 105. 104. Donc, ça serait là. Ok. Alors, par contre, je pense qu'il faut que j'aille m'introduise dans le garage. Le truc qu'il va falloir que je fasse, à mon avis. Ah, mais peut-être que je peux monter maintenant avec mon agilité. Voilà, ça doit être ça. Ah, mais j'ai pas les gants. J'ai pas les gants d'escalade. Et voilà. Eh bien, écoutez, on en apprend tous les jours. Donc, en fait, il faut qu'on retourne. C'est pas grave, il faut qu'on retourne à la maison. Acheter des gants. Quand on aura nos gants. Allez, on va essayer. Voilà, j'ai pris un poteau, hein, ça c'est ma conduite légendaire. Et quand on aura les gants, on pourra escalader effectivement la propriété. Allez, donc je vous dis, hein, c'est vraiment toujours la même chose, une vidéo de premier jet. Hein. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de... Ah ouais, mais j'ai pas les sous. Je n'ai pas les sous. Donc je ne peux pas avoir les gants d'escalade. Alors, comment vais-tu faire? Est-ce que c'est des objets à vendre? Il faudrait que je voie si j'ai des objets à vendre. Je vais aller sur le prêteur sur gage, mais je crois pas. Enfin, on va voir. J'ai peut-être l'imprimante, la grosse imprimante là. Effectivement, que j'ai volé à l'épisode d'avant. Parce qu'on vole. On vole toutes sortes de choses dans ce jeu. Welcome back. Un gros objet, c'est peut-être là qu'il faut que je mette les gros objets, non? Alors comment on les met les objets? Attendez, on va déjà vendre ce qu'on a à vendre là. 270, c'est pas assez, hein. Je sais pas. Est-ce que là, est-ce que ça doit être là les gros objets? Ah oui, il faut. D'accord, j'ai pas vu. Effectivement, il faut la décharger du coffre, ce qui est quand même plus intelligent. Ok, là quand on a mis ça là, ouais, ça fait quoi? Non, il me la prend toujours au même prix. Hein. Écoutez, on va lui vendre à ce prix-là. Hein.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, bon, du coup, allez au 104. Est-ce qu'on a une autre solution? Je sais pas. Fermez la porte. On va voir, est-ce qu'il y a une autre solution pour passer sans escalader? Pire des cas, on va peut-être refaire une petite... on va déjà repérer. Le 104. Oh, mince. Le 104. Parce que je joue au clavier, c'est pas une évidence non plus. On va repérer les maisons aux alentours. Hein. De toute façon, c'est un pâté de maisons... Ok. Alors déjà... Ok, donc déjà par la porte, c'est du niveau 3, on pourra jamais y passer. Faut être clair. Ensuite, la porte de garage, c'est mort. Là, il y a une poubelle. Mais effectivement, j'ai pas les gants d'escalade. Mais on va quand même voir si on peut pas passer par derrière. Voilà. Donc ça... Ça doit être possible de niveau 2. Alors par contre, je sais pas du tout s'il y a quelqu'un dedans. Hein. Ça va être la surprise. Voilà. Je présume qu'il y a des alarmes là-dedans. Le problème, c'est que je ne vois pas s'il y a quelqu'un ou pas. Donc je veux bien... Si je casse la fenêtre, je pense que je vais avoir des soucis. Mais bon. Est-ce qu'on tenterait pas de casser la fenêtre? Je le sens pas. Attendez, parce que là, par contre... Regardez. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il m'a vu, non? Okay. Oh, merde! On part dans la cachette. Ah, écoutez, on va se cacher. Hein. Parce que là, c'est la meilleure chose qu'on a à faire. Ceci dit, on a réussi à marquer deux habitants. Hein. Alors, je vais essayer de meubler hein, pendant l'attente, parce que là, on est forcé d'attendre. Ah bah! Eh ben voilà. Eh ben en fait, pas de soucis. Ils m'ont chopé même dans la poubelle. Allez, on repart où on en était. Alors, bon, donc c'est pas ça. Ah, il nous manque de l'argent. Il faut qu'on a le... cambriolé encore ailleurs. Alors, là, vous voyez qu'on a un gros bug de fleurs dans le volant. Alors, les maisons qui étaient faciles, plus ou moins, à cambrioler, c'était lesquelles? C'est plutôt vers les 110, 111. Hein. Ouais, ou 113, là où il y avait... C'est vrai que là-haut, 113, 112, il y avait un petit peu de produit. Sauf qu'on n'est pas aux bonnes heures, là. Voilà, sauf qu'on n'est pas aux bonnes heures, on est à 6 heures. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se mettre au parking. Alors je suis désolé hein, si ça prend quelques longueurs. Et ça nous balade aussi, hein, regardez. On balade, tout va bien, enfin, on essaye. Ah, voilà. Allez, on va retourner, c'est à 9h du matin où tout le monde se casse. Donc on va se mettre à 9h du matin. À 8h plutôt. Ça nous laisse une heure de débattement. Voilà. Alors, à chaque fois, faut faire le... Et on repart dans la 113. Ouais, parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas les gants, on pourra pas débloquer ça, finalement. Donc là, c'est 8h18, on va pas...
Donc finalement on va refaire la même maison en fait, hein. Bon, c'est pas grave, hein. Je noterai mon aptitude au créneau, toujours excellente. Alors j'ai 1052 et il me faut 1200 il me semble pour les gants de d'escalade. Allez, on va pas tarder à sortir. Voilà. Alors là, pour l'instant, on a de la chance. Il n'y a pas trop de piétons qui vont nous embêter. Ok, donc voilà, le propriétaire est sorti 9h06. On va le laisser passer. Ok. Attendez, parce que là... Oui, d'accord, il y a un passant. Donc là, il faut qu'on le laisse aussi. Deux passants. Vous voyez, c'est quand même pas évident, parce que... Il y a quand même pas mal de... Sachant que je dois crocheter une serrure, là. Donc c'est assez compliqué. Allez, en plus, ça me bloque. Allez, cette fois, on y va. Voilà, alors, tout se passe bien, si, bien évidemment, vous crochetez assez vite, hein. Donc là, on passe là, on est bien. Ok. Allez, je vais essayer de crocheter assez vite. Je commence à être un as. Voilà, allez, là c'est passé. Alors, ah, ça on le prend, ça. Ah non, ça c'est un gros, une grosse chose. Attendez, on va le laisser là. Moi, ce qu'il me faut là, c'est de l'argent en fait. Hein. Ça, je peux pas le prendre, c'est quoi? Je vais le prendre le réveil. La guitare. La guitare, il me semblait que je l'avais vue dans les... Ok, les baskets, on s'en fout. Casse ou vol, la décoration poire. Alors je sais pas où elle est. J'ai encore un petit peu de temps. Alors, attendez, parce que j'ai pas vu de... Ah, mais ça c'est des gros objets ça, non? Ouais, mais dans le sac. Parce que la casser, la décoration poire, il n'y a pas de problème. C'est quoi? C'est ça la poire? Non. C'est là-bas alors. C'est ça. Écoute, nous on va la casser, voilà. Allez, on va pas traîner parce qu'apparemment on est bon. Alors, j'étais dans quelle pièce moi? Je suis rentré par là. Je suis rentré là. Par contre, on va se prendre le tableau. Hein. On peut pas le jeter, là, si voilà. Parce que le tableau, je pense qu'il peut me rapporter un peu d'argent. Hein. On va le mettre là. C'est ce qu'on va faire. Peut-être aller ouvrir le... Quoi que bon, allez, on va y aller en courant. Oh là là, intrusion, ils nous ont vu. Louche. Alors, pour l'instant, on n'est pas... C'est bon, c'est passé. C'est passé. Ah, c'est toujours la commande. C'est compliqué. Mais on va y arriver. Attention, on s'abonne, c'est le moment, on pouce bleu, c'est le moment. Bon, trêve de plaisanterie. Mais ça ferait plaisir quand même si vous vous abonnez, hein, c'est pas... Allez, on va aller voir le prêteur sur gage, on va essayer pour essayer de récupérer nos gants. Pour au moins essayer de faire ce truc dans le garage, là. Voilà, donc c'est pas mal, on passe des niveaux. Il aurait peut-être fallu que j'amène le tableau, non? Non, peut-être pas. Le tableau, je vais peut-être le vendre sur sur l'espèce d'eBay de chez nous, là. Non, 20, non. Ça, oui. Et... Non, la guitare, non plus. Mince, je l'ai vendu. Ah, quel idiot. Bon, bah, c'est pas grave. Et eh ben le tableau, c'est pas grave, je vais voir chez moi. J'ai cliqué alors qu'il ne fallait pas cliquer.
Ah, je pense que j'ai fait une erreur. J'aurais pu la vendre beaucoup plus cher chez moi, mais bon, c'est pas grave. Hein. L'essentiel, c'est juste d'avoir que je puisse acheter mes gants pour qu'on puisse déverrouiller cette fameuse mission là. Donc là, on n'a rien. Pièce de voiture, non, je pense pas. Cuisine, non. Autre, non. Ah bah en fait, on n'a rien du tout. Alors, attendez, là, conseil de sécurité, ça, on va l'acheter, par contre. On va acheter aussi, peut-être, les habitudes de l'habitant. Ah oui, mais non, puisque je peux pas acheter mes gants. Est-ce que je peux acheter mes gants, déjà? Parce que ça, c'est important, voilà. Ok, ça, c'est bon. Du coup, voilà, par contre, j'ai plus de sous du tout. Parce qu'on a... Attendez, laquelle j'ai pris tout à l'heure? C'est celle-là que j'ai pris, la 105, non? Mais j'ai accepté les trois, de toute façon. Donc c'est bon, hein. Et les habitudes des habitants, je peux pas. Les 1000 heures... Ah, par contre, les 1000 heures, je peux avoir, par contre. Non, allez. On va y aller comme ça. On va tenter, hein. On va pas... Par contre, je sais pas du tout si on est bon dans les... Allez, on est reparti chez Greenview. Alors, effectivement, c'était au 104. Par contre, on n'a pas d'indice sur les heures ou quoi que ce soit. Donc là, on va y aller comme ça au feeling. Voilà, 104, c'est celui du bout. C'est celui-là de garage. Donc, du coup, attendez, parce que si on se met là... Si on tourne à droite tout de suite, là, on est bon. Ok. Donc là, il y a un gars qui est passé. Ok. Super, vous voyez. Je suis monté. Alors, tout de suite, on va tirer la radio. Ah, ça va être chaud. Mal sorti, par contre je sais pas du tout s'il y a quelqu'un, alors je parle doucement, dans la maison. On va prendre des sous, des sous-sous, chandelier. C'est blindé de placards, hein, vous voyez. Par contre, j'ai un problème. On va aller casser la voiture parce que j'ai pas du tout l'emploi du temps. Et j'ai peur de me retrouver bloqué complètement là-dedans. Alors, où c'est qu'on pourrait avoir le garage? Comment je... Attendez, parce que là, il y a quelqu'un qui voit ma voiture. Comment j'ai accès au garage? Parce que si je veux casser la voiture, il faut que j'ai accès au garage. Ah, c'est peut-être là, non? C'est moi ou il y a quelqu'un dans le lit? Il y a quelqu'un dans le lit. Là, on va être mal. Là, on va être très mal. Ah! Désolé, madame. Allez, je lui mets un coup. Non, non, je rigole. Il faut surtout pas... Bon, de toute façon, là, c'est foutu, je vous dis tout de suite. On n'a pas trouvé le garage. Allez, on va se tirer. Si on s'en sort, on est bien. Allez, on se tire par la fenêtre, hein, bien évidemment. Ah, on peut pas escalader, là. Oh là. Non, c'est pas possible. Non, on va jamais s'en sortir. Jamais on s'en sort là. J'y crois pas trop, mais bon. Allez, on va essayer de même tenter. On est là pour ça. Allez, le but, ça va être de se cacher.
Est-ce qu'il n'y aurait pas une poubelle dans le coin? La police cherche ta voiture. Ouais, c'est bien, mais... Donc celui-là, on va l'appeler l'épisode de la fuite. Parce que, effectivement, on va fuir. Hein. Par contre, j'ai récupéré pas mal de choses dans mon sac. Et je pense que là, c'est bon. Hein. La police ne nous recherche plus. On n'a plus les étoiles. Ok, donc le 104, il était où? Il était là-bas, d'accord. Par contre, j'ai un problème. C'est qu'on n'a pas réussi à trouver l'accès au garage. Là, ils sont là, là, dans les immeubles. Et du coup, c'est problématique parce que... Si on n'a pas accès au garage, on peut pas casser la voiture. Alors est-ce qu'on a accès maintenant? On sait pas en fait. Je vais la changer de place, la voiture. Voilà. Là j'ai plus du tout, ouais c'est ça, je peux pas accès ouais. Ah mais il faut tout refaire, non alors attendez, bon écoutez on va le refaire, c'est pas grave hein. On va le retenter quand même, le alors, j'adore le système de crochetage, il est sympa hein. Voilà. Ah mince. Ah non, ça a l'air d'être bon. On va aller se cacher. Attendez, on va s'accroupir. Falloir recrocheter. Alors là, c'est vraiment l'épisode de la fuite en vrac. Ouais, chez la police qui est là. La fuite dans les poubelles. On se cache. Bon, c'est infernal. Bon, elle a toujours pas trouvé l'accès au 104, au garage. Hein. Allez, encore 2 étoiles. Donc, je vais essayer de remonter à l'étage, mais alors, peut-être la faire de nuit. Peut-être qu'il faudrait qu'on achète les... on va acheter les créneaux horaires. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire avant d'aller au 104 pour déjà être sûr qu'il n'y ait personne dans la maison, qu'on ait le temps. Déjà, parce que là on prend le problème à l'envers. Donc là on n'est pas bon du tout. Bon, la police me cherche toujours. Alors, désolé pour ce temps d'attente, hein, mais bon, vous connaissez mon. Mon habileté légendaire dans les jeux vidéo qui fait que voilà hein, je tâtonne. Allez, ça va être bientôt bon. Je pense qu'on va retourner à la maison là. On va aller acheter les on va acheter les habitudes qu'il faut pour le 104 parce que sinon on va pas s'en sortir. Ça va être une vidéo qui va traîner en longueur. Personne va être content, moi pas content, moi le premier. Voilà, allez, là on est incognito, on se casse, voilà, on reprend la bagnole. Voilà, puis celle elle voit que la voiture ça va pas. Merde.
J'ai renversé une piétonne. C'est pas grave. Bon, du coup, on a dit, on retournait à la maison. Alors ça, c'est pas mal, parce que du coup, l'enregistrement, finalement, vous perdez pas votre progression, donc c'est pas mal. Hein. Allez, on va l'acheter les horaires pour le 104. Voilà, voilà la maison. Une fois qu'on a les horaires, on va voir déjà vers quelle heure on y va vraiment, parce que sinon... J'ai pris de l'XP, hein. Je dois même... Ah ouais, en plus, mon sac à dos est plein, là. Faut que je le vende, parce que si je trouve des... Est-ce qu'il y a des trucs à vendre sur le... Non, il n'y a rien. Faut que j'aille sur le pointeur sur gage. Alors, le 104, j'ai dit. Voilà. Et moi, je vais acheter les habitudes des habitants. Voilà. C'est mieux. J'ai pas vu. C'était marqué, il n'y a personne entre eux. Ça va être marqué là, non? Entre 8h et midi. Alors déjà, on va aller chez le prêteur sur gage parce qu'on va vendre ce qu'on a piqué là. J'espère pouvoir finir ce fameux 104 là. Après, on va dormir jusqu'à 17h, enfin 8h. Welcome back. Ok, allez, on va tout vendre. Chandelier, voilà. Ça fait toujours de l'argent. On a toujours besoin d'argent. Alors, du coup, ben, il faut retourner à la maison pour pouvoir aller dans le lit. Pour, voilà. Bon, ça fait pas mal de manip, mais l'essentiel, c'est vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc on a dit de 8h. Donc nous on prend toujours un petit peu avant. Allez, on prend 7h. Et on va au 104. Allez. Ah oui, ça ne l'a pas pris. Pourquoi ça ne l'a pas pris ? Là, ça l'a pris. Voilà, c'est bon. Voilà, donc quelques petits bugs de... Alors, sachant que ce jeu va sortir en VR, et je sais pas si je ferai pas une petite vidéo aussi sur de la VR, au moins le test, pour voir ce que ça donne, parce qu'en VR, ça doit être sympa quand même, hein. Je sais pas comment ils vont adapter les commandes. Alors, 8h. Donc là, on est un peu tôt. Hein. Faut qu'on attende un peu. On va se garer. Allez, on va se garer là. Voilà. Allez, ça va pas tarder à sortir de la maison. Ouais, vous voyez, graphiquement, c'est sympa. Hein. C'est... Alors là, il faut qu'on trouve, qu'on monte, et il faut qu'on trouve absolument le garage, hein, un accès au garage. Donc, parce que là, maintenant, il faudrait vraiment casser la vitre de la voiture, vu que dans la maison, on a pris des choses. Alors, si on peut en prendre encore, on va les prendre. Hein. Alors, petit rappel, hein, comme je dis à tous les épisodes, ce n'est pas une apologie du larcin et du crime. Hein. Soyons d'accord. Hein. Voilà, et toujours, pensez bien à droite à vous abonner, hein, avec les pouces bleus, bien évidemment. Allez, c'est parti. Oh, ben, c'est 8h, ben, c'est parti. Donc là, normalement, qu'est-ce que c'est ça? Ah. C'est 8h ou 9h, j'ai un doute maintenant. Parce qu'on dirait qu'il y a quelqu'un qui dort dans la maison. Et si jamais... Ça va être compliqué. Hein. Allez, on crochette.
Allez, voilà. Voilà. Non, il y a quelqu'un dans la chambre. C'est ça. Il y a quelqu'un dans la chambre. Quand on regarde le planning. Donc, il faut pas qu'on passe dans la chambre. Il faut faire gaffe. Alors là, ça va se compliquer. Vous voyez? Là, il y a quelqu'un. Sauf que nous, on va descendre. D'accord, la chambre est là. Ah ouais, mais là, on a un problème. C'est la salle de bain. Vous voyez, là, je pointe l'argent et je l'ai pas. C'est là, c'est... Est-ce qu'il faut que je passe par la chambre pour aller au garage? Oui, je pense. Alors, attendez, puis il y a peut-être un autre accès, hein, parce que j'ai pas fait toute la maison. Ah bah attendez, que je suis bête. Faut casser le pare-brise. Ok. Ouh, il y a une guitare là. Est-ce qu'on peut sortir? Non. On va vite remonter, parce que sinon on va se faire repérer. Allez, on repart. On peut pas le prendre. Ah non, je suis sûr qu'il est plein là. Écoutez. Oula. Allez, on repart vite dans la bagnole. Alors c'est vraiment le stress. C'est vraiment... Écoutez, pour l'instant, c'est pas fait repérer. C'est pas mal. Et on arrive. Allez, on rentre chez nous. Sur ce. Voilà. On va y aller. On va écouter ce qu'il nous dit Vinny. You're still weak on the lockpicks. Up your game. Oui, ben il est gentil, lui. Je suis pas très fort en crochetage. On le verra, lui, quand il sera à l'œuvre. Allez, sur ce, on va en finir pour cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt. Allez, à plus, le pouce bleu.